Allez, ça tout le monde, c'est TazRécupération, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 517 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Age of Calamity. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait tout simplement continué nos missions de combat de niveau 61 au niveau 70, dans lequel on s'était attaqué au tournoi des guerriers d'Hyrule, les amis, en mode normal. Donc une mission qui s'était très bien passée. Et donc du coup, les amis, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va s'attaquer aux confrontations de gardiens. On est obligé d'utiliser Terraco. Donc écoutez, on va aller voir ce qu'avec Terraco on peut faire. Ouais, super, on peut rien. On peut rien faire, quoi. Je suis dégoûté. On va lock, hein. Y a pas le choix. Et non, ça servira à rien. Donc on va lock, et. Ah, attendez. Question. Non, en fait, ça servira à rien. Donc, pas parce que c'est trop bas en termes de dégâts. Donc, écoutez, c'est bon. Préparation ultra express, involontairement. Et donc, du coup, c'est parti pour la confrontation d'un gardien. Les amis, Terraco a l'intention d'arrêter un gardien incontrôlable qui sortira vainqueur de ce duel décisif. On peut voir que, du coup, mon ennemi principal, il y a carrément un gardien de rancœur, les amis. Un gardien terrestre, un gardien ailé et des nano-gardiens 1.0. Et donc, du coup, les amis, c'est parti. On est obligé d'utiliser notre cher Terraco niveau 73. Ça va. On est tranquille. J'aime tellement ce jeu. Sachant que je suis en train de me rendre compte que finalement, on commence à se rapprocher du mode difficile, à s'attaquer au mode difficile. C'est vrai que vous voyez en bas, mais on commence vraiment à se rapprocher. Ok, éliminer les 4 ennemis. C'est des vagues de nano-gardiens. En fait, ça va être des vagues d'ennemis. Oh putain, c'est bon. J'allais dire genre, je vais pas l'avoir. Bon, déjà, le premier, il est battu. Voilà, celui. Salut toi. Oh, le bâtard. Le vilain. Allez. Non. Dis-moi que je peux l'avoir d'un coup là. Parfait. Coup point faible. Donc ce nano gardien t'est décédé. L'autre derrière là. Oh. T'as voulu jouer ton petit manolou. Oh putain, il y a les deux. Ok, bon, ça va finalement. Oh, le coup point faible. On l'a eu. Ok, il manque l'autre. What? Attendez, je voudrais bien savoir un petit peu. Oh là. Ah oui, ça fait quand même quelques dégâts. Ok. Bon, du coup, première vague des nano-gardiens de terminée. Des gardiens apparaissent sur le champ de bataille. Ok. New. Ok, c'est des gardiens ailés. Ah, il y a le gardien terrestre aussi. Le gardien ailé prioritairement. Désolé. Ça, on va le calmer un petit peu. Oh là. Attention. Oh putain, évidemment. Quel manque. Oh. Le bâtard. Bon, ok. Donc, déjà, toi, tu vas vite te calmer. Mais fils de pute! Ok. Non. J'ai dit quoi là? Là. Oh putain. Si on peut avoir les deux comme ça. Allez, s'il te plaît. Oh oui! J'ai eu le gardien, il est en priorité. C'est celui que je voulais absolument avoir en priorité. On est un peu tranquille comme ça. Allez. Dis-moi que là on le. Ouais, c'est bon, là on le bute. Il manque plus qu'une patte à détruire. Oh le bâtard. C'est vraiment un tarba lui. Ah bah voilà. Il est mort. De toute façon, il avait plus de patte. Maintenant il n'y a plus de patte, mais. Ah bah voilà. Allez, il ne manque du coup plus que, à mon avis, le gardien de rancœur. Un gardien de rancœur apparaît sur le champ de bataille. Du coup. C'est parti pour le dernier objectif, logiquement. Le petit gardien de rancœur qui est là. Salut toi. Comment on se retrouve?
Dis-moi que ça suit. Merci. Voilà. Vas-y. Oh, oh là, par contre, beaucoup trop de vie. Allez. Ouais, allez. Ok. Je pense que là, on va pouvoir le détruire avec le petit truc en l'air. Parfait, la retombée. Ok, donc il manque plus qu'à mon avis deux fois. Je pense que ça peut. Ça va, ça peut suffire deux fois. Hop. Allez, go. J'ai la même technique. Parfait. Parfait. Allez. Ok, bah là, non, il est mort. Il est décédé. Désolé pour toi, mais voilà. Goodbye. Mission complete. Mission complete. Bon, bah écoutez, ça s'est très bien passé. Hein. Ça s'est très très bien passé. Putain, je suis surpris. Ça s'est tellement bien passé. Bon, bah parfait. 900 rubis. Oh, niveau 74 en plus. Ok, donc quelques trucs. En plus, ça fait du bien. Loya, ok. À la portée d'attaque, yes. Et du coup, ben, les huiles d'entretien, des matériaux, hein. Comme d'habitude. Des petits matériaux bien sympathiques. De cœur antique, hein. Autant abuser. De cœur antique. Ok, bon, écoutez, ça fait plaisir. Et deux rubis supplémentaires. Thank. Bon, mais écoutez, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Et du coup, bah, on se retrouvera dimanche, logiquement, 22h, il me semble, pour la suite de ce Let's Play. Lune de sang. Bah, est-ce qu'elle est au bon endroit? Je pense pas, mais bon. Je commence à perdre espoir, hein, je vous le dis. Du coup, bah, quand on s'attaquera en mode difficile, quand la lune de sang apparaîtra bah, de la bataille de la plaine d'Hyrule la première fois, bah, on la fera en facile, enfin, un mode difficile, du coup, vu qu'on l'a fait en facile normal. Et après, du coup, bah, il faudra attendre qu'elle soit ici, qu'on la répète autant de fois que possible, en fait. Ah, c'est chiant. Ah, sachant qu'on l'a même pas fait en mode facile du tout, parce que ça ne peut pas pop. Donc bon. Bon, du coup, les amis, merci les amis de m'avoir suivi pour cet épisode, du coup, de numéro 517 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. La fois prochaine, au cas où dimanche, on s'attaquera tout simplement à la protection d'un être cher dans lequel on est obligé d'utiliser Mipha, les amis, ça fait plaisir. Donc merci les amis de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 517 et on se retrouve du coup bah, dimanche pour l'épisode numéro 518. D'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde, hey, peace.